Alright, so we're currently in Yakut, which is the coldest city in the world. Now we're like inside the main square. It's currently minus 42. Voilà, alors j'ai pas le micro, donc le son va être pourri. Il fait moins 12, 13, mais il y a du vent. Avec des valises, avec des roues, sur de la flèche. Abrité dans un. Rien. Faut qu'on pose nos valises chez un pote d'un pote. Qu'on les emmène pas à Yakut, ni à Petropavlovsk, plutôt que de payer 4 fois le supplément en bagage, on va les laisser chez un mec. 2 semaines dans un truc de bagage, mais ça coûte 5 balles la journée. Ça va nous coûter rien à part galérer dans la neige. Avion pour Yakutsk. Ça y est, on est arrivé. Le plus chaud que j'ai réussi à trouver, c'est ça. Il fait pas plus de moins 37. Facebook il indique moins 38, Google il indique moins 39. J'ai pas envie d'aller dehors, il va falloir y aller. Wow. Wow, tough. Wow. Oh, it's minus 39 outside, so it's the first time ever I get this kind of temperature. Première fois que je traverse un couloir comme ça de l'avion qui fait aussi froid. Instantly made me cough. Oh, ça déboîte la gorge. Allez, c'est parti. On sort, j'ai peur. Bon gros choc thermique. Wow. Oh là là. Faut pas respirer avec la bouche. Alors. Good. Alors l'air est super sec hein. Ça démonte le nez, ça démonte. Minus 39 and you can actually say it's minus 39. I don't know how to describe it but it's very funny. Oh là là, oh, c'est pire que je pensais hein. On avait déjà fait moins 32 quelque chose. Oh là là. Ah c'est très drôle hein. Ah c'est marrant. Pour vous donner une idée du froid là, le sol est tellement gelé tout l'hiver que c'est impossible de creuser s'il y a des réparations à faire. Et c'est obligé de faire passer au-dessus comme ça, toutes les canalisations d'eau qui passent par là, permafrost, tout ça, machin. Vague de froid, on respire trop fort, ça démonte la gorge. Et moins 41, moins 42. This is like the biggest city which is built on permafrost, which means it's basically built on ice. And it has like a population of 300,000 people. Most of the people look Asian, 40% of the people are Yakut. And then you have the Evenk people, and then you have the Russian people. When it gets like below minus 50, the school closes. Getting to the main square, I think. Là on est sur la place principale, il y a une patinoire avec personne dessus, un toboggan avec personne dessus. Les gens sortent pas beaucoup, hein. Tout le monde sort le soir pour aller voir un coup quand même. Ce qui est marrant c'est que les locaux ici, ils sont capables de deviner à température environ 2 degrés près, juste avec le brouillard en fait. Ouais il faut environ moins 40 parce qu'on voit pas à plus de temps de mettre. My turn. La République du Sahara où on est, ça fait quand même 5 fois la France, c'est plus grand que l'Argentine. Il y a moins d'un million d'habitants sur toute la région. It's basically the largest region of Russia, also the coldest region in the world, beside Antarctica. You can see my hair starting freezing and we've only been outside for like 6-7 minutes. Usually people don't stay outside more than 15 minutes or they usually go back inside the shopping mall. The fish market, the fishers, they're just sitting outside and they're just completely frozen because here it's like way colder than a freezer. The Yakutian food is actually really good, like frozen fish, frozen horse. I was expecting them to eat like hot soup and stuff like that, but at the end they just eat cold stuff. Pendant que je parlais, la première caméra a perdu toute sa batterie, alors qu'on était dehors que 10 minutes. Si vous avez une voiture, elle va rester allumée de l'automne jusqu'au printemps. Si vous avez un garage, vous aurez de la chance, sinon la voiture pourrait laisser allumée tout l'hiver. Plein de voitures comme là-bas là, qui ont des couvertures pour les protéger, mais sinon tout le monde utilise des taxis, des bus. Les gens sont super cool, ils sont super curieux. On sort un peu du jeu avec notre caméra, avec notre tête de pas d'ici. Donc je commence vraiment, j'ai du visage et on est dehors depuis à peine 10 minutes. Hein. C'est un défi de rester dehors. So we're currently inside the largest shopping mall in Yakutsk. Alors je sais pas si on voit, mais c'est de la glace. On est resté genre 10 minutes dehors, voilà. On va se chauffer un peu, on va manger du
faut décongeler. Ça va être super. Donc, pour voir à quel point la différence, il fait froid dehors et pas à l'intérieur. Test de vodka Yakutsk. Ça sent pas trop mauvais, c'est pas cher. Tradition, c'est de sniffer ça, boire la vodka et de manger après. Interesting. Fier de moi. La bouffe locale, c'est la viande de cheval congelée. On trempe ça, un peu de sel, un peu de poivre et ça se mange froid. C'est tellement chelou. Ça se dégonge petit à petit dans la bouche et puis il y a le goût qui arrive en même temps, c'est trop bon. Ça déchire. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il y a peut-être de l'eau au milieu. Oh. Ok. Il y a du monde. C'est rigolo de se dire voilà dehors il fait moins 40 mais les gens ils continuent à sortir. Now we're heading to the Stolby in Lena, the Lena River. 10h du mat, on a l'impression d'avoir dormi une heure. On a 3-4 heures de route, donc on va faire tout le temps. Last night we've been partying until like 5 a.m. It was very hard to wake up because we had to wake up at like 8. Just arriving in the cafe, about an hour away from Yakutsk. Currently minus 35, which is gonna be the warmest day so far. Devrais-je voir? Montagne de caca gelée. Just for your information, inside the toilet there's a big pile of frozen shit. That's all I had to say for now. Getting close to the Lena pillars. Alright, so just arrived at the Lena Pillars. It's minus 30 outside, so my battery probably won't last for long. On commence la grande marche jusqu'en haut des pillars. On est toujours censé être à moins 35 et je trouve qu'il fait beaucoup moins froid que tout à l'heure. Je sors les mains tranquilles, je pense que mes cheveux sont bien gelés, ça va bien. Il fait moins 35 je crois, mais ça fait 1h15 qu'on est dehors. Je peux tirer sur mon œil parce que c'est congelé que mes yeux, c'est horrible. This is my hair. Bon, apparemment on va faire du chien de traîneau, j'étais pas au courant. On est avec la mère du mec qui nous héberge et puis on part sur ça j'imagine. First time ever. Never thought I would be in Yakutsk. It's really cool. Another 5 minutes ride. At least I can say I've
done it. This is huge. It's the museum of the permafrost, which is like a giant ice tunnel. There's like a lot of ice carvings. Inside the ice palace right now. Apparently we're the first customers of the day and it's like 5 p.m. I guess it's because of the cold because now it's like minus 40. Probably not gonna last like more than 20 minutes, I guess. Génial. Ah, je pense des glaçons. We train some experiments. It's like minus 40 outside. We'll see how it goes. That's so cool. Wow. Putain, je suis con. Avant dernier jour à Yakoutsk, dans un café avec une des potes de la semaine. Ce soir, c'est l'avion, ça démarre. And off we are to Vladivostok. After 6 intense days in Yakoutsk with temperatures down to minus 45, we realized that not only the cold, but the culture, the cuisine, and the people were all also worth experiencing. We like this city so much that we decided to come back later on, and we have been living in Yakoutsk for now more than 6 months. And we still have a lot to tell about this wonderful city. If you enjoyed this video, please subscribe, give us a like, and share it. Also, I would like to thank all our new friends from Yakoutsk for being so great with us. We'll see you in our next video.